À dimanche prochain, monsieur Sauvage. Au revoir, monsieur Morisseau, à dimanche. Au revoir. Il n'y eut pas de dimanche prochain. La guerre éclate entre la France et l'Allemagne. Les troupes françaises sont battues. Napoléon III prisonnier. La République proclamée et Paris encerclé par l'armée allemande. Un très long siège commence. Nous n'avons plus rien à vendre. Je suis honnête. J'ai toujours été honnête. C'est bien ce qu'on te reproche, tes scrupules. Quand on a appris, et nous l'avons appris les premiers, que le patron de la grande mercerie du boulevard avait des contacts avec les Prussiens, tu n'as pas voulu aller dénoncer. Et qui y est allé? Notre concurrent d'en face. Et il s'est approprié les stocks de la mercerie du boulevard. C'est ça, l'initiative, le courage. Je ne dénonce personne. Tu veux encore me dire que je suis un raté? Pas la peine, je le sais. Tiens, sois gentil, aide-moi. Oh non, est-ce que t'es maladroit, mon pauvre ami? Prends exemple sur ta fille aînée. Grâce à Charlotte, on n'a pas froid. On a du bois pour se chauffer. Le fils du bougnat lui a fait les yeux doux, l'a su en profiter. Sans rien lui accorder. Sans moi, j'en profiterai pour faire l'inventaire. Oh non! On n'est pas trop de quatre pour porter les pommes de terre et les navets que nous donnera ton oncle de Belleville. Bon, vous êtes prêtes, les filles? Maman, tu nous emmènerais écouter chanter Monsieur Jules Brasseur au théâtre du Palais Royal? Ah oui, dis oui, maman. Demandez à votre père. Quand votre père en aura les moyens. Mes pauvres enfants, on ne chante plus à Paris. Les théâtres sont fermés, vous le savez bien. Bon, allez, allez, les filles. Tiens. Rends-toi utile. Et voilà, ça recommence. Il a marché toute l'après-midi avec sa jambe de bois. Quelle idée vous avez eue de vouloir loger au second vos cousins de Verdun? Les pauvres, ils ont tout perdu, leur ferme brûlée. Il faut s'entraider, l'appartement de pauvre maman était libre. C'est le dimanche, il restait assis dans son fauteuil. Il faut être compréhensif, le docteur lui a dit de marcher. Mon cousin, c'est un héros, il a perdu sa jambe à Sébastopol. Oh, ça, je le sais, que c'est un héros. Je n'ai pas besoin d'un héros au-dessus de ma tête. Vous avez lu ce banquet organisé hier midi par l'Académie des sciences pour nous prouver qu'il est sans danger de manger du chien, du chat ou du rat? Bien préparé, c'est sans inconvénient pour la santé. Et très bon. Ils étaient plus de 200 à manger. Tous des officiels. Étant donné que le bœuf et le mouton auront peu de chances de revenir dans nos boucheries, nous continuerons, vous et moi, à manger du cheval. Tant que nos finances nous permettront. Dites-moi, ils ne nous avaient pas promis à leur arrivée qu'ils trouveraient un logement ailleurs? On n'en trouve pas avec tous ces réfugiés. Oui. On pourrait sortir tous les deux cet après-midi. Sur les boulevards extérieurs, il paraît qu'avec des longues vues, on distingue les troupes allemandes. Ou si vous préférez, on va à Auteuil voir les maisons bombardées. Aux Champs-Élysées, il y a des campements de zouaves et de tirailleurs algériens. Ils chantent des airs de leur pays pour distraire les passants. Pardonnez-moi, Clotilde. Je préfère me promener seule.
Bien, mon ami. Je vous attendrai. Citoyens, de l'or, des canons. C'est ce dont manque la République pour nous débarrasser de la horde impie qui souille notre sol. Hommes, ce sont vos bras qu'il faut, vos sueurs et votre argent. Femmes, ce sont vos épargnes et vos bijoux. Et feu, donnons tous, et puis nous les écraserons. Monsieur Morisseau ? Vous qui avez entre 25 et 30 ans. Monsieur Sauvage. Dans la garde nationale, la République. Je suis content de vous voir. Mais moi aussi, Monsieur Sauvage, moi aussi. Avec l'aide de tous, il s'en est passé des choses depuis notre dernière rencontre. Oui. Il vaut mieux les oublier. Citoyens, à quoi occupez-vous vos dimanches ? Oh, je me dispute avec ma femme. Moi, je fais ce qu'il faut pour qu'elle m'encourage à sortir seul. Si nous fêtions cette rencontre en allant au café. Absolument. On va s'offrir une petite verte. Allez. Hein ? Et dire que je me suis marié par amour. Moi aussi. Elle avait de l'argent, une belle dot. On tombe facilement amoureux. Et certains soirs, je me retiens pour pas l'étrangler. Heureusement, j'ai deux filles adorables. Moi, depuis que je lui ai dit, si vous n'êtes pas contente, vous prenez la porte. Elle s'est assagie. Maintenant, je sors sans lui donner d'explication. Vous en avez de la chance. Une autre verte ? Allez. La même chose. Merci, mademoiselle. Comment vous appelez-vous ? Suzon, monsieur. Vous êtes charmante, Suzon. Merci, c'est gentil. Mais depuis qu'on crève de faim, mon fiancé me dit que je fonds à vue d'œil. Pourquoi ? Parce que c'est un gourmand, il en veut plein les mains. Moi, je ne m'en plaindrai pas. Et que fait-il, votre fiancé ? Gendarme. Suzon. Ça, c'est un beau métier. Oui, un métier de cocu. Votre femme, vous la trompez ? Elle croit que je la trompe, mais je ne l'ai jamais trompée. Jamais une petite compensation ? Jamais. Non, oh. Non. Et vous ? Vous en avez des petites compensations ? J'avais. Mais avec la guerre... Deux ou trois personnes du sexe me faisaient agréablement oublier mon épouse, mais quand elles ont vu arriver les Allemands, elles sont parties vers le sud. J'ai bien essayé de leur trouver quelques remplaçantes, mais... Arrêtez, monsieur Morisseau, vous allez noyer votre absinthe. Elle m'a donné faim. Vous aussi ? Je pense à mes poissons. Hein ? Oui, oui, oui. Quand il dort dans la poêle, la peau craquante, la chair si fine. Arrêtez, monsieur Morisseau. Vous nous faites du mal. Ceux qui préviennent les Prussiens quand on a décidé une sortie. Je le connais, c'est un voyageur de commerce. M'étonne pas, un pacifiste. J'ai vu défiler contre la guerre. Dans la rue à droite, il y a un mur très bien pour le fusiller. Allez les gars. À mort les espions. À mort. À mort. À mort la guerre. À mort. Qu'on reprenne nos habitudes. Ah oui, alors.
C'était bon d'aller pêcher. Vous savez, là où on allait, les Allemands n'y sont pas. On pourrait peut-être y retourner un dimanche. Faut en laisser passer. Je connais le général Dumoulin, sa parente du côté de ma mère. Je pourrais peut-être aller le voir. Essayez. Ah, passer une journée comme avant. Oui. Bonjour, monsieur. Désiré ? Voir monsieur Sauvage. Entrez. C'est pourquoi ? Je voudrais parler à monsieur Sauvage. Parler à monsieur Sauvage ? Albert ! Oui, oui, j'arrive. Passez à monsieur qui désire te parler. Merci. Merci. Le laisser passer à nos deux noms. Dimanche prochain ? 8h30, la Trinité, à l'arrêt de l'omnibus. Désolé, monsieur, mais nous n'en avons plus. Ah, bah écoutez, je repasserai. Bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'était qui ? Un client. Un client ? C'est comme ça que tu reçois les clients ? Je les reçois comme je veux. Chérie ? Chérie ! J'ai trouvé du pain et du beurre. Tout ce que vous aimez. Que se passe-t-il, mon ami ? Vous sortez ? Oui. Mais vous vous absentez pour longtemps ? Pour la journée. Vous savez très bien que nous sommes invités à déjeuner chez nos cousins du dessus. Ah, je n'irai pas. Ils se sont saignés aux quatre veines pour nous offrir ce repas d'avant la pénurie. Ils ont acheté une poularde, une vraie, au marché noir, avec des salsifis et des meringues. Il y aura des meringues. On ne peut pas leur faire ça. Ces malheureux tiennent à nous remercier pour notre hospitalité. Mmh. C'est très gentil de leur part. Vous les remercierez. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Alors, qu'est-ce que je vais leur dire ? Que je les aime beaucoup. Comment se fait-il que vous alliez pêcher aujourd'hui ? J'ai un laissez-passer. Couvrez-vous, il fait frais. Oui. Au revoir, maman. Vous avez les papiers, s'il vous plaît ? Merci, monsieur. Bonjour, vous allez où, messieurs ? Ben, pêcher. Ça va pas être possible. Pourquoi ? Excusez-moi, pourquoi ? Ça va pas être pourquoi possible. Non. Ça va pas être possible. Ce qu'il faut, on a les laisser passer, on a tout. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Mais pourquoi ? Tout le monde passe. Suivez-moi, monsieur. Deux pêcheurs. Des pêcheurs. Déguisés en pêcheurs, comme les deux avant-hier qu'on a arrêtés. Voici mes papiers. Non, puis on a une. On a un laissez-passer. Fouillez-les. Je connais votre manège. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire ça. On va chez les Allemands, on leur achète de la nourriture. Et après, à Paris, on la revend. Vous connaissez le général Dumoulin ? Oui, oui, c'est un parent du côté de ma mère. Attendez. Tenez. Lisez mes papiers. C'est le nom de jeune fille de ma mère, Dumoulin. Dumoulin, c'est vrai. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous prie vraiment de m'excuser. Donc vous allez vraiment pêcher ? Oui.
Et vous allez pêcher où? Du côté de Bougival, oui, par Bougival. Oui, dans le... Bon. Venez vous repérer sur cette carte. Toute cette zone est déserte. Il n'y a personne. Les Allemands sont plus loin. Ils sont au Vésinet et à Maisons-Laffitte. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, si vous croisez le général Dumoulin, parlez-lui de moi. Il voulait me faire rentrer dans ses bureaux au ministère de la Guerre. J'aimerais bien. Mossu. Je m'appelle Mossu. Le capitaine Mossu. Mmh. Au revoir, messieurs. Bonne Merci, pêche. Merci, capitaine Mossu. Mmh. Ah, j'ai rêvé cette nuit qu'en allant pêcher, nous trouvions un restaurant où l'on mangeait comme avant-guerre. Il y avait du foie gras et de la tête de veau. Est-ce qu'on trouvera un jour une vie normale? Faut bien que les guerres se terminent. Le siège de Paris ne peut pas durer éternellement. Ouais, on dit que les Allemands vont nous écraser sous les obus avant de lancer l'assaut final. On verra bien, monsieur Sauvage. On verra bien. Mais je peux vous demander votre prénom? Je m'appelle Albert. Et vous? Albert. Moi, Camille. Désormais, on s'appelle par nos prénoms, d'accord? D'accord. Albert. Mais regardez, un restaurant. Écoutez, j'ai un peu faim. J'ai pas porté grand-chose avec moi. Non, moi non plus. On y va? On y va. C'est peut-être le troquet dont vous avez rêvé. Si ça se trouve, on va manger les animaux du jardin des plantes. Non. Depuis deux jours, il est distribué au boucher. Vous y êtes déjà allé, vous, au jardin des plantes? Oui, absolument. Il faut aller voir ça. J'adore la nature. C'est triste pour les animaux, quand même. Après vous. Allez, je vous en prie. Et voilà. Bien servi, hein. Oh, merci bien. Ah, bonjour. Messieurs. Bonjour. Vous êtes bien la mère Touffelard? Oui, la mère Touffelard, c'est moi. On peut manger? Bah oui, c'est un restaurant ici. Vous avez de quoi payer? Oui, oui. Montrez. Est-ce que vous croyez on a les moyens? Mais j'espère bien. Allez vous installer là-bas à la table du fond. Merci. Pour commencer, je vous propose pied de cochon, blanc de porc fourré. Le plat principal. Je n'ai pas le choix, c'est du civet de lapin maison. Je prendrai le civet. Oui, moi aussi. Et comme dessert, millefeuille ou puits d'amour? Millefeuille, peut-être? Pas moi. Non, moi non plus. Pas de dessert. Vous permettez, messieurs? Mais c'est un bon petit vin là, il vient des coteaux d'Argenteuil. Ah, il est bon. D'accord. Ah. On m'appelle Pépé, je suis son mari. J'aimerais savoir pourquoi cet endroit s'appelle les Trois Anges. Ce Louis-Philippe ici, c'était un relais galant tenu par trois dames. On les appelait les Anges. Ah. Vous avez beaucoup de clientèle? Ah, le midi, ça ne désemplit pas. Les gens qui ont laissé passer, ils savent qu'ici on mange bien. Mais c'est notre dernière année. L'an prochain, avec la mère Touffelard, on se retire chez moi, à Aubagne. Ah. Mon civet, vous m'en direz des nouvelles. Je vous ai mis des oignons et des petites pommes de terre neuves. C'est pas à Paris que vous mangerez ça. Hein. Et non. Bon appétit, messieurs. Merci. Merci, mon roi. Tenez, servez-vous. Servez. Merci.
Pas mauvais pour du chat. On dirait du civet. Vu l'os de la cuisse, je peux vous dire que c'est pas du chat. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, leur vin est bon. Ce pays est formidable. On manque de tout, sauf de vin. Je vous resserre peut-être? Oui, très bien. C'est tout ce que vous avez mangé? Oui, faut pas qu'on soit trop lourd, on va pêcher. Votre vin est fameux. L'addition? Ajoutez une autre bouteille, s'il vous plaît, on l'emporte. Deux. Deux? Oui. Deux. Deux. Oh là. Oh. Ça va? Oui, oui. Oh. Par ici, on rejoint le bord de l'eau. C'était cher pour ce qu'on a mangé. Absolument. Mais alors, le civet? C'était vraiment du lapin. Si j'avais su, j'en aurais mangé un peu plus. Oui. Dès qu'on pourra, on reviendra. Bert? Merci. Je vais se boire, hein. Il est bon. Il est pas mal. Ah. Ah, ces deux-là. Des radins, je te dis. Ils ont rien laissé. Les sauts de l'addition, c'est tout. Ce sont des malheureux. Des cochons de bourgeois, oui. Ils ont les idées qui passent par le ventre que le porte-monnaie avant d'arriver à la tête. Et un coteau du Rhin, c'est du bon. Et un coteau d'Argenteuil, c'est toujours du bon. Le roi barbu qui s'avance, bu, qui s'avance, bu, qui s'avance, c'est à... Agamemnon, Agamemnon. Et ce nom seul me dispense d'en dire plus long, d'en dire plus long. Camille, promettez-moi une chose. Quand la guerre sera terminée, on ira avec nos familles au théâtre des variétés. Albert, je suis votre homme. Promis? Promis. Ah, merci, Camille. Le roi barbu qui s'avance, bu, qui s'avance, bu, qui s'avance, c'est Agamemnon. Rue de la Chaussée-d'Antin, il y a une maison. De charmantes petites mains améliorent leur fin de mois difficile en tenant compagnie à des messieurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'y suis allé hier. Et j'ai travaillé pour vous, mon vieux. J'ai trouvé une charmante petite blonde qui répond au nom de Louisette. Louisette? Louisette, et elle vous attend. Ah, quand je pense, Camille, que sans la guerre, nous ne serions jamais devenus amis. Oui. Je vais vous dire une chose, Albert. Je suis heureux. Moi aussi. Ah, grâce à vous, je vais enfin pouvoir tromper ma femme. Épuisette? Mais j'ai pas vu bien, celui-là. Oh, il est beau. Louisette. C'est beau, la vie. Was machst du denn hier, du Schwein? Aufsteigen! Los! On est des pêcheurs! Comme un homme! Ruhe! Los! Weiter! Weiter geht's! Auf! Schneller gehen! Halt's Maul und geh! Schneller, sag ich! Vous êtes des espions venus voir si nous préparions une attaque. Ah non, on était en train de pêcher. On a des papiers à laisser passer.
Moi, les espions, je les fusille. À moins que vous me donniez le mot d'ordre pour entrer dans Paris. Il y a toujours un mot de passe pour franchir les barrages, non? S'il y en a un, on le connaît pas. Nous l'a pas dit. Vous me le révélez et je vous laisse rentrer tranquillement chez vous. On voudra bien, mais... On va vous fusiller. Dans 5 minutes, vous serez au fond de l'eau. Vous avez des parents ? Vous avez 1 minute pour parler. Le mot de passe. Je ne le connais pas. Vous aussi, vous gardez le secret. Vous voulez mourir en héros pour la France. Mache. Jawohl, Herr Major. Führt sie ab. Je le laisse dorer à point. La peau bien craquante, la chair va fondre dans la bouche. Oh, monsieur Touffelard. Tenez, un bon petit vin des Coteaux du Rhin. C'est du beau, hein? Quel bouquet! Parfait. Mensch, was sagst du denn dem? Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, meine Herren, die Franzosen. No! Auf geht's! Und hopp! J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires.